Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Parole vivante. La question d'aujourd'hui, sommes-nous le fruit du hasard? En parlant qu'être humain est de création-évolution. Alors, on revient avec notre invité. La question, sommes-nous le fruit du hasard? D'où vient cette vie, cette existence? Une question que je me suis moi-même posée lorsque j'étais adolescent. Qui suis-je? Que faisons-nous sur cette terre? D'où vient cette vie? C'est avec l'aide d'un invité qu'on va répondre à cette question, monsieur Michel Couillard. Michel, bienvenue à l'émission Parole vivante. Merci. Tout d'abord, parle-nous de toi-même, de ta personne. Alors, d'où est venu cet intérêt d'étudier la création versus évolution? Je travaille avec le ministère Answers in Genesis, les réponses dans la Genèse. Je suis le conférencier responsable de l'œuvre française au Canada pour Answers in Genesis. Depuis combien de temps? Ça fait déjà 3 ans que je fais ça. Et ça fait près de 15 ans que je travaille dans le domaine du créationnisme pour aider les gens à répondre aux questions que les gens se posent, justement. Donc, tu sillonnes les routes du Québec, tu fais des conférences, cégep, université, là où tu es en demande pour répondre à ces questions. C'est exact, c'est exact. J'ai le privilège d'aller dans les cégeps, les universités, là où on veut avoir des réponses et où on se pose des questions. La Genèse veut dire « origine », c'est le premier livre de la Bible. Mais quelles sont les origines de ce ministère? D'où vient ce ministère que tu représentes maintenant en français? Answers in Genesis a pris naissance en Australie. C'est un professeur de sciences physiques et un docteur médical qui ont décidé de répondre aux questions que les gens se posaient le plus souvent concernant l'origine de la vie. Il y en a un qui est déménagé aux États-Unis, il y en a un autre qui est resté en Australie. Et nous, le bureau canadien dépend du bureau australien. Alors, Michel, on a hâte de pouvoir entendre aujourd'hui d'où vient cette vie qui nous est chère, qui nous est précieuse, quelle en est son origine. Alors, à suivre. Pour l'instant, chers amis, bien, nous allons vous donner les coordonnées pour pouvoir nous rejoindre, pouvoir soit via Internet, www.radioespoir ou espoir.ca. Alors, www.espoir.ca ou via le téléphone, alors 1-877-537-6647 ou 1-877-L'Espoir. Le L est très important, c'est un chiffre. Alors, 1-877-L'Espoir. Nous avons une demi-heure bien remplie. Tout d'abord, je vous conseille d'aller chercher votre Bible. S'il y en a une qui traîne quelque part à la maison, allez la chercher, mettez-la à la portée de la main, car cette émission s'écoute Bible en main. C'est avec la parole de Dieu que nous allons répondre à ces grandes questions concernant notre existence et notre vie. Également, bien, des reportages au sujet de la parole vivante, comment est-ce qu'elle agit dans la belle région de Québec. Alors, la vie d'Église, la vie des croyants, que se passe-t-il dans la vie de ceux et celles qui placent leur confiance dans cette parole? Nous aurons également des témoignages et la vie de l'Église, les activités qui vous seront offertes. Il y aura un chant de Corinne Langtin. Alors, donc, elle va nous interpréter les mains. Alors, soyez à l'écoute. Elle va nous parler de ce grand Créateur qui nous a donné la forme que nous avons et l'être que nous sommes. Et également, un entretien avec notre invité, Michel Couillard, aujourd'hui. Voilà le contenu de l'émission. Et vous êtes toujours invité à nous écrire, à nous faire part de vos questions, car le but de cette émission, c'est de répondre à la question des téléspectateurs. Celle que vous vous posez dans votre quotidien, on est prêt à y répondre. Restez à l'écoute. On suit avec notre invité. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Ben finalement, on en est rendu à cette grande réponse de cette question. La vie est-elle le fruit du hasard? Michel,
On est tout oui, et on a hâte d'entendre ta réponse. Tout d'abord, nous élaborer un peu sur la science, parce que les gens, il y en a, sont documentés, sont très documentés, mais d'autres, alors, où est rendue cette science? Comment est-ce qu'on peut départir la science aujourd'hui? On pourrait dire que la science peut se départir en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est la science dite opérationnelle. La seconde, c'est la science dite historique. La science opérationnelle, c'est la science qu'on utilise à tous les jours, qui nous permet d'élaborer et de construire des ordinateurs, des avions, des automobiles. C'est ce qu'on sert pour pouvoir construire des choses. Cette science-là est fondée sur le présent et aussi fondée sur des choses vérifiables et répétables, des expériences répétables. C'est pour ça qu'on peut construire, par exemple, un laptop, faire des expériences d'électronique, puis être capable de vérifier ce qu'on croit, une théorie, pour ensuite l'appliquer. Alors, une science qui nous donne des facilités dans notre vie, qui nous aide à tous les jours à améliorer les qualités de notre vie. Exactement. C'est ce qu'on sert à tous les jours. C'est aussi celle qui a le plus d'influence aussi, parce qu'elle est dans le présent. On peut vérifier ce qu'on affirme. Tandis que la science dite historique, elle, est plutôt une science qui examine les choses du passé. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas de moyens, de machines à voyager dans le temps pour retourner dans le passé et aller vérifier ce qu'ils croient. Alors, c'est beaucoup plus spéculatif parce qu'on n'a pas vraiment de moyens de vérifier avec exactitude ce qu'on affirme. Dans la tête de la plupart des gens, la science historique et la science opérationnelle, ces deux types de sciences-là sont mélangés ensemble. On mélange l'exactitude de la science physique, la chimie, et ainsi de suite, avec la spéculation qu'on pourrait dire qu'apporteraient les sciences historiques comme l'archéologie, la paléontologie. Alors, on va faire appel à ces autres sciences sous-branches, en tout cas de la science, l'archéologie, les sites historiques. Alors, on va faire des recherches et là, on va pouvoir s'identifier puis aller en évolution, du moins retracer et mettre les casse-têtes qu'il nous faut, là, les morceaux, pour pouvoir donner une image, une certaine globalité dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons. Oui, c'est avec la science historique qu'on se fait une idée du passé. Malheureusement, comme je disais, on n'a pas de moyens de retourner. Les moyens sont très limités et on croit avoir beaucoup de précision. C'est ce qu'on nous présente souvent, une précision qui existe seulement dans le présent et dans la science opérationnelle. Mais ce n'est pas le cas pour la science historique. C'est ce qu'on va voir, justement. Est-ce que là, la science a assez de données ou de morceaux de casse-tête, pour revenir à mon exemple, mon illustration, pour nous donner un fondement solide pour construire de quoi par-dessus? Bien, je dirais que si on prend justement la science, les probabilités des choses déjà occasionnent certaines difficultés pour l'évolution. Vous savez que juste l'application des sciences, de la science physique, comme la loi de la thermodynamique, par exemple, qui est une règle qu'on applique pour l'univers, cette loi-là, ce qu'elle révèle, la seconde loi de la thermodynamique, révèle que toute l'énergie dans l'univers va en décroissant. Il y a une perte d'intensité. Cette perte d'intensité-là, on appelle ça l'entropie. C'est-à-dire que l'énergie qui est disponible pour organiser les atomes, les particules, va en décroissant. C'est-à-dire que l'énergie étant plus disponible pour tenir les atomes ensemble, ça fait que les particules et les atomes se dégradent. Alors, au lieu d'évoluer, on pourrait parler de dévolution. Oui, on pourrait dire ça. Au niveau atomique et moléculaire, c'est le cas. Ce que ça veut dire que, dans le fond, le désordre va en augmentant dans l'univers. C'est vraiment le contraire. Mais je m'en aperçois tous les jours. Je me regarde dans le miroir, puis je remarque juste l'être humain qui fait partie de cet univers, de cette création. Et puis, on voit qu'il y a une dévolution de notre part. Hein. Oui, c'est un fait. On est rendu avec des lunettes, des dentiers, puis et on pourrait en rajouter encore. Hein. On constate effectivement que les choses vont en se dégradant. Si vous laissez votre automobile stationnée devant la maison pendant 20 ans, vous allez revenir et vous allez la trouver en piteux état. Pourquoi? Parce que les choses se dégradent. L'univers est comme ça aussi. Il y a quelqu'un aussi, un monsieur Borel, un mathématicien français au tournant du 20e siècle, au siècle dernier, maintenant qu'on est au 21e siècle. Lui, il a fait une étude de probabilité sur les choses qui pourraient se produire par hasard. Lui, il en est venu à la conclusion que quelque chose qui avait une probabilité très mince de se produire ne se produirait pas. Il a même mis un seuil, un seuil mathématique. C'est une chance sur 10 suivie de 50 zéros. Alors, je mets un 1 comme unité et puis je rajoute
50-0. Exactement. Ça, c'est ma chance de probabilité. Alors, ce monsieur-là était très généreux parce que quand on y pense, une chance sur 10 suivie de 50-0, c'est pas très gros. Les probabilités biologiques pour l'apparition de la vie accidentelle sont quand même très intéressantes à examiner. On pourrait peut-être regarder ça ensemble. Allons-y. Parle-nous en plus de détails maintenant de... Ben, ça prend toujours un point de départ pour la vie. Oui, exactement. Alors, la tombe, la cellule... Oui, oui. La cellule, vous savez que la vie est construite, les cellules vivantes sont construites avec des protéines. On pourrait dire que c'est la molécule de base pour construire le code génétique, ce qui fait ce qu'on est. Les protéines sont utilisées à peu près partout, là, dans tout ce qui est vivant. Il y a un monsieur, Bob Sawyer, qui a fait un calcul de probabilité sur la possibilité qu'une protéine apparaisse accidentellement. Lui, il en est venu à la conclusion qu'il y avait une chance sur 10 suivie de 65-0 qu'une protéine apparaisse accidentellement dans les processus aléatoires qu'on a dans l'univers. Mais là, on vient de se rendre compte que mathématiquement, quelque chose qui se produirait une fois sur 10 suivie de 50-0, là, c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Alors déjà, la première protéine est extrêmement improbable. Alors, on dépasse, on est au-delà de la probabilité, de la possibilité. Oui, exactement. Puis, non seulement ça, mais c'est que les êtres vivants sont composés de plus d'une protéine. Vous savez que pour avoir, par exemple, trois protéines pareilles qui seraient apparues simultanément, on aurait une chance sur 10 suivie de 195-0. La plupart des scientifiques s'entendent pour dire que l'univers est composé d'atomes, bien sûr, puis le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 suivie de 80-0. Alors, les chances qu'on ait trois protéines qui apparaissent en même temps sont de 1 à 195-0. C'est des chiffres astronomiques. Ça montre justement l'impossibilité de la chose. Et la difficulté d'avoir ces protéines-là qui apparaissent vont en grandissant parce que, à vrai dire, une cellule vivante n'est pas composée d'une seule, un seul type de protéines. Il y a 100 types de protéines différentes. Et pour avoir un être vivant, la cellule la plus simple, on se retrouve avec des chiffres astronomiques. Vous savez combien de protéines ça prend pour avoir une cellule vivante? Non. Ça prend 60 000 protéines différentes. Alors là, on en met des zéros, là. On multiplie. Là. On multiplie à toutes les fois. Il faudrait que ces protéines-là soient tous apparues en même temps. Pour qu'il y ait un être humain? Une cellule. Une cellule. La cellule la plus simple. Imaginez. Puis là, on parle de protéines, mais ça prend plus que ça pour construire une cellule vivante. Mais pour avoir 60 000 protéines qui apparaîtraient en même temps, de 100 types différents, les probabilités, on mettrait des chiffres et on en écrirait là, toute une journée. Mais Michel, je crois que je constate et nous constatons, les téléspectateurs, que l'être humain est assis sur un échafaudage pas trop solide. La théorie de l'évolution, là, oui. Ça prendra pas grand-chose pour une débarque. Effectivement. Le grand problème, c'est que la théorie de l'évolution a été bâtie sur un système de pensée, une façon d'élaborer ou d'interpréter les données, mais qui tiennent malheureusement pas toujours compte de la réalité observable. Et certain qu'on ne voudrait pas quitter ces plateaux, ces décors, sans avoir donné un fondement solide, du moins plus solide, à nos téléspectateurs. Quel serait ce fondement inébranlable, solide, avec lequel on pourrait partir puis fonder quelque chose dessus? Bien, je dirais que la parole de Dieu nous donne une très belle orientation. Déjà, en se rendant compte que la vie ne peut pas être apparue accidentellement, juste à partir de quelques données que je vous ai données. Il en existe énormément, là. En quelques minutes, Il va s'en dire que c'est bref, là. C'est très temps, bref. On est très limité. Oui, malheureusement. Je pourrais vous en parler longuement. Mais vous savez, le fondement, premièrement, si on n'a pas de fondement, on ne peut pas établir notre vie. On ne peut pas flotter dans l'espace. Non. Il faut s'accrocher, il faut s'attacher à de quoi se lier. Si je laisse aller mon stylo dans le vide, il va aller vers le bas, il va tomber, il va chuter. Ça, c'est la loi de la gravité. Oui. On est tous régis par des lois, oui. Effectivement. Les lois, la physique, on ne peut pas contourner ça. Vous savez, il y a un psaume, le psaume 11:3 nous dit que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Depuis près de 150 ans, les fondements de la foi ont été troublés par l'évolutionnisme.
L'objectif fondamental, c'était beaucoup plus de dire qu'il n'y avait pas de créateur que d'établir des règles scientifiques. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Puis les gens construisent sur un fondement qui est mou, un petit peu comme la tour de Pise. Oui, bel exemple. Tout le monde connaît, je crois, la tour de Pise. Oui, tout le monde a déjà vu la tour de Pise. Vous savez que la tour de Pise, ça a pris 800 ans à construire. La première partie, le premier segment de construction a duré quelques années. On a construit les trois premiers étages. Puis rendu au troisième étage, on en était à se rendre compte que le sol était trop mou et le bâtiment commençait à pencher. Alors, on a arrêté toute la construction. On s'est donné 100 ans pour laisser le temps au sol de se stabiliser. Après 100 ans, on s'est dit, bon, ben, on peut continuer. Alors, les architectes ont fait des ajustements pour compenser l'angle de la tour elle-même. On a construit comme ça. Puis, au bout de 800 ans, on a fini la construction. Ce qui arrive, c'est qu'on a une très, très belle banane architecturale. Parce que si on regarde le toit versus, par exemple, la fondation, on se rend compte que le toit est droit et la fondation est croche. Mais le problème, ce n'est pas l'architecture. On a pu construire un très, très beau monument. Le problème, c'est la fondation. Alors, on peut construire une fondation comme ça. Mais si on n'a pas une fondation solide, comme la tour de Pise, c'est un bel exemple, un bon coup de vent, une tempête, peut faire écrouler tout le bâtiment. Alors, on est en ruine après ça. Mais moi, je veux construire sur du solide, Michel. Alors, où trouver ce solide? Tantôt, tu nous citais un psaume de l'Ancien Testament. C'est un livre de l'Ancien Testament. Donc, la Bible devient une référence pour moi et pour ceux et celles qui veulent bâtir une vie durable. Oui, effectivement. La Bible parle d'un créateur. Il nous dit que le créateur, c'est Jésus-Christ. Il nous dit lui-même, en utilisant un exemple comme celui que je vous ai donné, que lui pouvait être un très, très bon fondement, un roc sur lequel on peut placer notre fondation. Mais vous savez que le message de Jésus-Christ est fondé sur la réalité de l'origine. Dieu nous dit quelle est notre origine. Alors, si lui nous dit qu'on a été créé, que lui est notre créateur, on est redevable. Notre redevabilité s'est manifestée justement à travers de l'histoire, puis surtout à travers de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Pourquoi il est venu? Alors, il y a un très beau lien à faire avec la venue, la personne de Jésus-Christ et nos origines que nous retraçons dans le premier livre de la Bible. Alors, il y a plusieurs liens, il y a plusieurs petits fils de pensée de notre Créateur que nous voyons du début jusqu'à la fin de la Genèse à l'Apocalypse. Cette venue de Jésus-Christ est venue affirmer, confirmer des choses de la part du Créateur sur lesquelles on peut bâtir maintenant. Effectivement. Son enseignement et la venue du fait qu'il soit venu sur la terre. Oui, la raison même pour laquelle il est venu vient de la Genèse. C'est dans la Genèse qu'on apprend qu'on a besoin d'un sauveur. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul qui nous le laisse. Alors, dans le cadre de cette émission, c'est Romains chapitre 1er et le verset 20, nous lisons « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusable. » Et là, il parle ici de sa création, de la race humaine, de chaque individu. Donc, on a une part de responsabilité à l'égard de ce Dieu créateur. Il m'a tissé, il m'a donné la forme et je suis l'être qu'il a voulu que je sois. Et maintenant, je dois entrer en contact avec lui, savoir ce qu'il attend de moi. Ça, c'est le merveilleux message de la grâce et le message de l'Évangile. Et je crois qu'on peut terminer par cette note-là pour la première émission, parce que je te garde pour une prochaine. Oui. On a vu que le temps est court, le temps s'achève. Mais donc, la parole de Dieu, la parole vivante, elle est en train de nous dire que oui, nous avons un Créateur auquel on devra rendre des comptes. Mais Jésus-Christ est venu régler cette partie de compte que nous lui devions. Le fait d'avoir vécu pendant toutes ces années dans le péché, sans sa connaissance, il est venu rétablir les ponts, il est venu faire le lien avec nous. À vous de vous intéresser, à vous de rechercher cette relation que Dieu veut que nous ayons avec lui par la personne de Jésus-Christ et par le fait même de retrouver l'être que je suis, une création de Dieu. Et mes origines, par le fait même, de répondre aux questions qui je suis et qu'est-ce que je fais sur cette terre. Alors, Michel, je te garde pour la prochaine, puis en même temps, ben, je vous dis qu'on va passer un temps de réflexion, un chant de Corinne Langtin, « Ma main ». Écoutez attentivement ce chant. Mon cœur, affligé, se brise.
L'émission Parole vivante a une équipe de reporters. Allons voir ce qu'elle a découvert pour nous cette semaine.
nous vous présentons des images tournées lors d'un merveilleux déjeuner de l'espoir dans la belle région de Québec. Ce déjeuner fut organisé par l'Église évangélique baptiste de Québec, 4700 Avenue Chauveau à Neuchâtel. Voici les talents de l'Église mis à votre disposition. Un déjeuner de l'espoir, ça se déroule dans un restaurant. Celui-ci est organisé au restaurant Thomas Stan du boulevard Hamel à Québec. Nous vous souhaitons toujours la bienvenue, la plus cordiale des bienvenues. Ensuite, il y a témoignage, soit individuel ou témoignage en couple, comme celui-ci. Un couple qui vous raconte la merveilleuse histoire de l'amour de Dieu dans leur vie. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté à eux personnellement? Par la personne de Jésus-Christ et par la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Alors on vous expose cet amour en témoignant, en partageant l'expérience que ces gens ont vécue dans une relation intime et personnelle avec Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ou même des enfants peuvent expérimenter cette relation avec Dieu lorsqu'ils se tournent vers Jésus-Christ en l'implorant comme leur merveilleux sauveur personnel. Un couple qui vit de l'amour de Dieu. Que d'expériences à partager avec les gens qui viennent et qui assistent à ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Il y a des chants également pour mettre l'ambiance nécessaire afin que vous receviez vous aussi le Seigneur Jésus-Christ. Car vous ne faites pas qu'assister, vous participez à ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Il y a toujours une explication du plan de Dieu pour votre vie. C'est ce que ce monsieur fait présentement. Expliquez le merveilleux plan de Dieu. Et il y a un temps qui est réservé à la prière, c'est-à-dire où vous pouvez répondre à cette invitation que Dieu fait à chacun d'entre vous qui assistez à ce merveilleux déjeuner de l'espoir. Répondre à son invitation de l'accueillir comme votre sauveur personnel. Pour en savoir davantage, consultez notre site Internet www.espoir.ca. Nous vous invitons à venir assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir qui aura lieu dans la région. Entre autres, 21 mai, donc samedi le 21 mai à 9h, deux endroits précisés. Tout d'abord, restaurant Le Normandin, 875 Avenue Royale à Beauport. J'y serai pour y donner mon témoignage. Alors venez assister et entendre cette histoire entre moi et mon Dieu et votre Dieu par le fait même. Et déjeuner de l'espoir, 21 mai, toujours donc samedi à 9h, restaurant Pizza Royale, 780 rue commerciale Saint-Jean-Chrysostome. Ça, c'est sur la rive sud de notre belle région de Québec. Michel, on se revoit la semaine prochaine. Je te garde pour une autre émission parce que ça a été trop bref, trop court. Quel sera le sujet la semaine prochaine? J'aimerais parler de ce qui différencie les êtres humains du règne animal. Ben, tiens, à suivre. Alors, Bible en main, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Paroles vivantes. Merci d'être là. Écrivez-nous pour faire part de vos questions.